Salut toi! Quel enthousiasme! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aurai un rendez-vous mensuel où je vais te montrer mes dernières créations. Et du coup, bah là, ça sera celle du mois de juillet. Là, tu croyais pas que t'allais encore faire une vidéo sans moi? J'espère, hein? Parce que ça fait combien de fois depuis le mois d'avril, depuis 2013, tu fais des vidéos sans moi? Et là, ça commence vraiment à me faire chier, hein? Non mais je te jure quoi, oh, elle est pas toute seule dans la vie, on est deux à partager hein, la chaîne YouTube. Mais c'est tout le temps elle que vous voyez, c'est dégueulasse. Ça y est, t'as fini de faire ton speech, je peux continuer? Donc toutes les deux, nous allons te présenter les créations du mois de juillet. Voilà, je suis contente. Merci. Donc je vais... on va essayer de faire ça très rapidement. Hein, c'est pas garanti. Donc j'ai... je vais pas y arriver, hein. Non, on a une douzaine de petites créations à te montrer, donc on va essayer de faire ça rapidement. Et c'est parti. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, tous les bijoux que tu vas voir dans cette vidéo-là sont déjà disponibles sur notre... sur la boutique, excuse-moi. Voilà. Et par ailleurs, tous les bijoux ont été poncés à la main aussi. Hein. Ça, faut pas oublier de le dire non plus. Donc j'ai pas fait... enfin, on n'a pas fait énormément de créations ce mois-ci, parce que... enfin, le mois dernier, du coup, au mois de juillet. Parce que bah on n'avait pas forcément le cœur à l'ouvrage. C'est passé des choses personnelles qui ne vous regardent pas, mais on va mettre ça de côté pour cette vidéo-là, puis on va regarder le sourire. et puis bah voilà, donc du coup c'est pour ça qu'on n'a pas fait grand chose ce mois-ci. Tant pis, hein. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, c'est des années de la vie malheureusement. Donc je commence, moi d'abord, je commence par la première création, une petite paire de boucles d'oreilles, tout simplement, avec des ailes de papillon. Rien de plus compliqué, je vous ai déjà fait le tuto sur mon autre chaîne d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, je lui laisse la parole, sinon je vais encore me faire discuter. Bon, maintenant c'est à mon tour, hein. C'est chacune son tour, oublie pas ça. Hein. Donc le point de vue suivant, tu te tais, Tiki, s'il te plaît. Bizarrement que quand c'est moi qui parle, qu'il se met à parler, hein, il est vilain. Pour le bijou suivant, eh bien, on a voulu essayer un nouveau style, faire quelque chose de complètement différent d'habitude. Et du coup, ça a donné ce petit bijou-là. Donc après, c'est pareil, c'est moi, je me suis amusée à réaliser plein de petites cannes fleurs et du coup j'ai réalisé des petits bijoux avec tout ça. Voilà, donc voici le premier bijou que j'ai réalisé avec une canne fleur, tout simplement. Dans les tons bleu et vert. Et en cadeau, j'offre la petite paire de boucles d'oreilles. Et il y a également celui-ci dans les tons rose et violet, on va dire ça comme ça, pêche. On va dire la pêche et pas. Ce sera plus simple. Tour, s'il te plaît. Donc pour le bijou suivant, et eh bien on a réalisé un papillon façon monarque. On va dire ça, un truc guillemets. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de grand papillon.
Et puis bah voilà. Ensuite, je me suis amusée à faire une nouvelle technique que je connaissais pas du tout et du coup j'ai réalisé trois petits bijoux avec cette technique là. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que vous en saurez bien davantage dans très peu de temps. Et déjà là j'ai dit trop de choses. Ça veut tout dire, merde. Donc voilà les trois fameux petits bijoux. Pour aller avec, j'ai des petites paires de boucles d'oreilles que j'offre en cadeau pour l'achat de ce collier-là. Et pour aller avec, en cadeau, eh bien, j'offre cette petite paire de boucles d'oreilles assorties. Et du coup, on va terminer tout de suite avec les petites chibis, les petits personnages. Voilà, j'en ai refait 5. Tous les mois j'en fais 5, je ne sais pas pourquoi, c'est le chiffre, 5, c'est comme ça, voilà. Du coup, non c'est pas, oui, c'est bon. On va dire ça comme ça. Et bien c'est une petite sirène sur une paire de ciseaux bronze. Et comme je l'avais dit plusieurs fois, je l'ai dit sur Facebook, sur YouTube, dans ma dernière vidéo, enfin une des dernières, je ne sais plus exactement laquelle. Mais maintenant mes petites figurines ne seront que de simples pendentifs et ce sera à vous de choisir le bijou de votre choix en collier, radeau, sautoir, porte-clé, bref, c'est à vous de choisir la façon dont vous voulez que je monte ce futur bijou. Voilà, j'ai écrit tout ça plus en détail sur la boutique et aussi sur Facebook. Parce que là, vous le dire comme ça, c'était... Bref, j'ai toujours eu du mal à m'exprimer. À l'écrit, c'est plus simple, même si je fais plein de fautes d'orthographe. Bah, à l'oral aussi, tu me diras. Donc ensuite, c'est une petite clé et pour remplacer les ailes, eh bien j'ai utilisé une estampe bronze en forme de papillon pour faire les ailes de ma petite fée. Voilà. Et pour finir, eh bien, on va passer aux trois dernières, les trois plus petites. Elles sont minuscules, toutes petites, rigides. J'ai galéré à les faire celles-ci. Elles étaient vraiment toutes petites. Donc ensuite, c'est une petite sirène qui est posée sur une petite flèche, toute petite, rigide. Bah, je sais que tu l'as déjà dit, mais je le redis quand même.
Et pour changer, c'est une petite tranquille. Du coup, ça fait penser un peu à Merida, la princesse rebelle chez Disney. Topi. J'ai également une toute petite fée comme ça avec des ailes en fibre liquide, comme ça je suis sûre que ça ne casse pas, qui est posée sur une flèche, en fait, juste le bout de la flèche. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça a un nom ça. Bref, c'est pas grave, on s'en fiche, on dira rien. Et la petite dernière, et donc c'est moi qui termine, ouais, avec une petite fée, avec pareil des ailes en fibre liquide, et cette fois-ci elle est posée sur un flingue, un pistolet, une arme à feu. C'est rigolo, ça change d'habitude, c'est une mauvaise petite fée, ou alors elle s'est posée au mauvais endroit, au mauvais moment, ou enfin bref, toutes les histoires sont possibles, faut juste laisser parler son imagination. Et bien voilà, on a fait tout le temps de cette vidéo. Finalement, ça n'a pas été si long que ça, hein. J'ai eu peur, mais on s'est tenu à carreau. Ah, on sait le faire de temps en temps quand même, hein. Donc on ressort le même speech que d'habitude, en tout cas moi, parce que c'est tout le temps moi qui fais les vidéos normalement. Elle squatte pour rien, là. Mais j'espère que, enfin, on espère que cette vidéo t'aura plu. Si t'as des idées de tuto, n'hésite pas à nous le faire savoir, parce que si on peut le faire, bah, ça sera avec plaisir. Donc comme la plupart du temps, celle qui fait tout le speech, et moi je n'ai droit que à la fin, mais c'est pas grave parce que c'est le principe. Donc, bah, je le dis quand même, et j'espère que moi aussi cette vidéo t'aura plu, si les créations t'aura plu, si ça t'aura aidé, inspiré. Enfin, laisse-moi tous les commentaires, moi j'y répondrai. Et je suis plus rapide que elle, je te jure. Un jurer, c'est mentir. Bon bref, du coup, il est passé le moment de se quitter. On te fait tout plein de gros poutous. Et on te dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye! On! N'oublie pas de dire on! On est deux, hein! T'es pas toute seule! Arrête d'être égoïste comme ça! Non! Oh, elle est nulle, je te jure!